Hey, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Ruby Destiny, Reign of Legends. C'est parti pour l'épisode numéro 5 de ce Let's Play en Nuzlocke YouTube Challenge, donc en Anhydroxy Challenge. Voilà, hein, comme vous pouvez vous en souvenir, alors on s'était... Est-ce qu'on s'était arrêté là? Je ne sais plus. En tout cas, j'étais arrivé jusqu'à une télé. Je sais pas si, voilà, j'avais pas fait de recherche. Plus poussé je crois, mais voilà, il y avait cette télé un peu bizarroïde qu'on avait découverte. Alors ce que je vous propose moi, c'est que, ah oui, c'était ça qu'il fallait que je vous fasse, l'évolution de Mister Yubei. Alors what again. Donc des Zubat, hein, des Pokémon assez sympathiques, Leech Life, donc Vampirisme. C'est pas du tout efficace avec ce Pokémon, d'ailleurs je sais pas pourquoi on lui a donné ça. Hein, on aurait mieux fait lui donner une attaque de type vol qui vampire, ou de type poison plutôt. Ah oui non, donc je n'ai pas d'accélérateur sur cet émulateur. Voilà, Zubat again. Allez. Donc encore un pistolet à eau. Super sonic bien sûr. Ça c'est très très dangereux. He's already confused, he's confused. Voilà, donc Pokémon switch to Mekasen. Ouais, pourquoi pas Mekasen après tout. Pourquoi pas Mekasen. Donc vous le voyez, on a une petite équipe bien rodée, mine de rien. Eh ouais. Ouais bah ta gueule hein. Donc Mekasen is confused. Heart himself. Ça fait mal quand même, il arrête pas d'utiliser ça depuis tout à l'heure, c'est chiant hein. J'ai horreur de ces Pokémon, c'est une horreur. Ils savent faire que ça, et c'est casse-couille. Casse-couille. Voilà. Vivement que Mekasen évolue au niveau 25 d'ailleurs, hein, parce que ce sera pratique d'avoir un Pokémon évolué de cette puissance à ce niveau là. D'ailleurs... Ah ouais, il faudrait que j'utilise des repousses là pour ne pas être trop embêté pour la suite des événements. Alors là pour le coup, voilà, j'ai baissé le son. Ah ça fait du bien. De l'émulation. Et c'est parti pour l'évolution de Mister Nouvelle. Et oui, premier Pokémon donc à évoluer de l'équipe. Et voilà, l'évolution de Mister Yubel, qui est donc un gobou en un merveilleux Flobio. Donc, bienvenue à toi, mon ami. Congratulations, you're Mister Yubel evolved into Marsh Stomp. Et Mudshot, qui est donc pas coup de boue mais tir de boue, qui est bien plus puissante d'ailleurs que sa précédente attaque. Hein. Donc voilà, match shot, ça c'est cool. C'est une bonne attaque de type stabé, de type seul, puisqu'en plus de ça il a pris le type seul, et ça c'est très cool. J'ai gardé coup de boue, vous avez vu, hein, pour la simple et bonne raison que coup de boue reste une très bonne attaque pour faire perdre la précision à l'adversaire tout en tapant un minimum. Donc si on a des Pokémon de type électrique, ça peut être très pratique. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Et donc on va faire soigner les Pokémon. Yeah. Donc Skypath, voilà. Donc ici on se retrouve donc à Skypath. On va devoir passer après sur le nord de la ville. Quoique, il y a peut-être une arène ici. Il y a peut-être une arène ici, donc on va voir hein, l'arène. Je sais pas ce qu'elle vaut, hein, je connais pas du tout le level. Donc on va se passer au moins level 17-18. 18, je pense, minimum. On a 6 Pokémon, donc on peut switch, il n'y a pas de problème. Et on verra quel type d'arène c'est. Donc on se retrouve tout de suite. Allez. Ah, donc l'évolution de notre Mediana. Donc
Mindkid qui évolue en Grayena. Yeah! Donc on se retrouve hein, parce que j'ai pas fini le texte. Hein. Allez, à tout de suite. Wait, please! Don't take my goods! Donc on se retrouve ici. Vous voyez un mec qui vient de se barrer en courant. Et là, on a la reine. The Man with Electrifying Dreams. Alors, le type électrique, ça va être assez casse-couille, donc vous le voyez. Hein, les Pokémon ont bien Pex. Alors, j'ai fait un peu plus Pex au Zenga en ayant regardé un peu le type électrique que c'était. Mais les Pokémon qui. Le Pokémon qui va me servir là, ça va être Flobio. Donc, ça va être très pratique parce que. Bah, immunité à la, au type électrique. Donc, c'est parfait. Et donc là, on se retrouve dans la, devant le truc principal. Alors. Un truc important ici, c'est déjà la présence de cette grotte. Oula, I'm sorry but I can't let you get inside this cave. Ok, donc, on va faire ça déjà. Oh, it's you. You're the fantastic trainer who helped me in my back forest from Royal Darkness. Help me, I was robbed by Luminous Scenaries. Ah, donc Luminous Scenaries, c'est donc la deuxième team. La team opposée. Voilà, donc la Luminous and Darkness. Donc, nouvelle zone, nouveau Pokémon. Et oui, donc, nouveau Pokémon inclut donc une nouvelle capture intéressante. Et donc, Mediana, déjà capturée. Donc, on peut switch. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon ici? Parce que je ne les connais pas. Zigzaton, on l'a déjà. Bon. Ouais, même s'il était un peu hors Nuzlocke, hein, je vous le cache pas. Hein, mais bon. Donc Mediana, blablabla. Ah, c'est chiant, hein, on va pas trouver de Pokémon, Pokémon intéressant. Vous allez le voir. Ah, on peut peut-être trouver hein, un Hirondelle. Ce serait sympa. Ah, un Skitty. Ah, c'est moche. Ah, que c'est moche. Mais bon, on n'a pas tellement le choix. Donc, Tidal Wave. Voilà. Et on va balancer du Pokéball parce qu'il y a que ça qui marche. Bag. Rappel, super potion, Pokéball. Donc on va le capturer, on n'a pas le choix, de toute façon c'est le premier Pokémon qu'on rencontre. Premier nouveau Pokémon qu'on rencontre de la zone. Et donc, gotcha. Voilà. Et comment je vais l'appeler? C'est une très bonne question. Alors, est-ce que c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Sweet Skitty, ça veut dire Sweet Kitty. Hein. Sweet Kitty, hein, donc le chat mignon. Hein. Voilà. Donc. Un truc qui me fait penser au chaton, c'est comment il s'appelle? Dans The Big Bang Theory. Non. Sheldon, voilà, on va l'appeler Sheldon. On va l'appeler Sheldon. C'est parfait comme, comme nom pour un chat. Sheldon was sent to the PC. Alors, j'espère qu'il n'y avait pas des putains de bons Pokémon qu'on pouvait rencontrer dans cette zone. Ça m'énerverait. Ça m'énerverait clairement. Recherchons un peu quand même. Un minimum. Alors, donc déjà, ce qu'on va faire, on va switch de Pokémon. Parce que du coup. Ah, mais je sais pas si on peut pas faire l'arène avant. On va check pour faire l'arène. Et ce sera bien. Ce sera bien si on peut faire l'arène. Donc, checkons. Electric Celery, voilà, donc le champion, blablabla, utilise le type électrique, machin, le type eau n'est pas efficace, mais le type sol est efficace, merde. Voilà, blablabla. Bon, tout seul, dit énigme, hein. Donc ce qu'on va faire, on va se faire les dresseurs, clairement et simplement. Bim, 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 les uns après les autres, on va se les faire, on va se les détruire. Alors, guitariste envoie Eltrike. Et Mister Yubel, c'est parti. Donc, on va pouvoir tester notre nouvelle attaque, qui est Mud Shot, qui fait très mal. Coucher. Ça va être ça tout le temps.
hein, avec le but de cette victoire. Alors, he will send a Pikachu. Donc au final, j'ai pris le meilleur Pokémon pour battre mon rival parce qu'elle a un Pikachu. Donc c'est parfait. Oh, critical hit. Allez, bim. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Donc sans que vous ne connaissiez la version, vous m'avez filé peut-être le meilleur Pokémon du jeu. C'est cool. C'est cool. Enfin, en tout cas, le meilleur starter. Oh, un Laporeille. Du coup, Wargan. Oh, Sand Attack. Putain. Mais il n'est pas de type électrique, c'est ça que je comprends pas. Enfin, je crois qu'il peut apprendre des électriques comme quoi éclair. Mais je vois pas l'intérêt de lui avoir mis cette... Enfin, pourquoi il est ici en fait, c'est la question. J'aurais pu comprendre à la rigueur pour un autre Pokémon comme... Ah, Flinched. Ça s'est fait chier. Growl. J'aurais pu comprendre pour Pachirisu, par exemple. C'est un Pokémon assez mignon mais qui sert à rien, mais qui est électrique au moins. Mais là, non. Je ne comprends pas pour lui. J'ai pas compris ce qui s'est passé, il y a eu un gros bruit derrière moi, là, dehors. Donc, encore un dresseur, donc là je suis en low life. Hein. Là j'y vais en YOLO. Karateka, donc Battle Girl Vivian. Et elle envoie un Meditica. On va se faire un plaisir de match shot. Alors, détection. Voilà, il refait détection, 50% de chance de réussir, c'est raté. Après c'est 25% de chance de réussir, enfin ça devient de pire en pire. Hein. Cette attaque c'est what the fuck. Mais un tour sur deux vous êtes protégé, c'est n'importe quoi aussi. Donc, 60 PV, et ouais ça commence à faire les gars. Niveau 19, 60 PV ça pique. Hein. Voilà, on passe par là. Normalement ça débloque la suite. Voilà. Ça c'est cool. Bon, et bah juste avant de se faire le champion de l'arène, on va soigner nos Pokémon. Alors Voltorb. C'est un peu à chier. Mudslap. Hein, je le répète, jamais assez. Mais si vous avez des questions au niveau du sujet des attaques, n'hésitez pas, je les connais à peu près en anglais, donc je peux vous répondre. Il n'y a pas de soucis. Niveau 10 et bah, le prochain sera peut-être niveau 12 ou 14. Hein. Je pense que niveau 12, ce serait logique. Ça arrive souvent que les niveaux des Pokémon soient comme ça croissants ensuite. Hein. Là c'était une fiche de plus 2. Hein. Donc charge, c'est chargeur en anglais, en français. Hein, ça permet d'augmenter sa défense spéciale et d'augmenter la puissance de sa prochaine attaque électrique. Ce qui peut être assez pratique. Donc le boss, je pense qu'il aura des Pokémon comme Magneton qui vont nous faire chier. Mais il peut avoir des Pokémon de la 4G, donc je sais pas du tout ce qu'il va nous sortir. Et il va sûrement nous sortir un bon... pas Lixi, mais l'évolution de Lixi qui est... comment il s'appelle déjà? Parce que là j'ai Lixilion en tête, mais c'est pas ça. Lixi... pas Luxray, je sais pas, je sais plus, hein, parce que Luxray c'est la dernière forme et Lixi c'est la première, donc je ne sais plus, voilà, clairement je ne sais plus, je ne peux plus vous dire, hein, quel est le nom de ce dresseur, de ce Pokémon, en faisant une recherche sur mon téléphone portable peut-être, ce sera assez rapide, hop là. Hop là, on monte les escaliers. Plap, c'était un mode escalier là. Génial. Alors. Lixi. Donc. Normalement, on peut déjà y accéder. Non, on peut pas. Il faut faire ça ici. Voilà. Lixi Pokémon. Alors. Oula, il ressemble à rien un peu ce mec. Hein. Alors. Luxio, voilà, c'est un Luxio, l'évolution de l'existant Luxio, donc il peut nous sortir un Luxio, on sait pas.
En premier Pokémon quand même, on va envoyer Diablix. Hein, ah, j'enverrai bien Mekasen, Switch. Histoire de changer, histoire de pas lancer toujours le même Pokémon. Hein. Donc mon grand-père avait été le maître de chambre de la reine. Depuis machin, blablabla. I'm Alex, leader of Rental Builds, Pokémon Gym. I have seen many Pokémon during my time as a trainer. Maintenant, est-ce que je peux voir tes Pokémon en action? Let's fight! Alors, il a une bonne gueule, mine de rien. Bon, c'est un peu pixelisé, mais bon. Eh bah, qu'est-ce que je vous disais? Luxio! Franchement, en fait, quand j'ai vu le Pokémon étourvol de la Gérardie, je me suis dit, ah, ça pue! Mais ça pue! Donc Luchicide, double team, ah c'est reflet ça, c'est reflet. Il est chiant à nous lancer un reflet dès le début. Voilà, yes. J'ai réussi à lui placer ça, au moins c'est fait. Donc moi je suis petit type plante, donc type électrique, ça ne ferait pas grand chose. Mais je vais pouvoir lui lancer des boules de seed. Oh le bâtard. Cage éclair. Donc boulet de seed, j'ai raté mon attaque parce qu'il a fait son reflet. Mais... voilà. Je lui ai placé ça déjà, c'est top, parce que tant qu'il switch pas, il ne fera rien. Donc là, une petite attaque éclair. Vous voyez, 5 points de vie. Et boulet de site qui rate encore. Voilà. Et là, je peux quasiment pas mourir parce que vous allez voir, je vais me récupérer tous mes points de vie. C'est de l'abus. Donc, charge qui augmente donc son attaque spéciale. Son attaque de. Sa prochaine attaque de type électrique. Donc, Mega Drain. Là qui va lui faire assez de dégâts. Ah, même pas tant que ça en fait. Hein. Ah, donc mon coloc qui est en train de faire le ménage. Il est en train de faire voilà, tout simplement. Donc vous allez voir, il m'a fait 5 points du tout à l'heure. Maintenant il va m'en faire 10. Donc ça reste toujours pas efficace. Hein. Donc là, hop là. J'ai lancé Mega Drain et je vais récupérer mon point de vie. Voilà, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'il va nous envoyer comme prochain Pokémon? Donc là, waouh, la base XP. Pas Chirisu, donc comme je vous l'avais dit. Vous voyez, tous les Pokémon que je vous sors sont de la 4ème génération. Donc c'est pas, ça me surprend pas du tout. Beach Seed. Encore un reflet. Encore un reflet. C'est pas un bon truc hein, qu'il vous fasse ça, mais je lui rebalance encore une fois. On attend dans le cul. Voilà. Alors. Donc c'est passé. Mega Drain. Il refait double dessus. Ça, c'est un peu plus casse-cou. Donc il m'a paralysé. Ah non, c'est moi, je suis encore paralysé. Alors on va switch. On va mettre Mind Keep, donc qui a évolué tout à l'heure. Et qui a intimidation désormais, donc baisse de l'attaque de l'adversaire. Bon là pour le coup c'est pas super efficace, c'est pas super voilà, mais bon. C'est toujours ça de pris, donc là ça aurait été cool d'avoir une attaque qui ne rate jamais parce que là il va faire chier. Alors, Rock Smash, Sand Attack ou Bite. On va faire Bite, alors Étincelle, ouh là là, va falloir que je fasse gaffe, Parisien, nom de Dieu. Nom de Dieu. Vous savez ce qu'on va faire. Donc là, voilà, donc ça me soigne un peu, c'est l'avantage. 6 points de vie. Vous voyez que ça lui fait quand même faire 12 points de vie, c'est ouf. On va directement envoyer Flobio pour finir ce combat. Qui commence à se faire long, hein. Puisqu'on ne sait toujours pas quel est son dernier Pokémon. Mais voilà. Voilà la puissance de Flobio. C'est assez magistral. Et donc, Melchart. Donc une quick attaque, bon ça hein, ça fait pas beaucoup de dégâts. Et bim. Et donc quel sera le dernier Pokémon qui va nous envoyer? Un petit peu électrique de la dernière génération. Qu'est-ce que je pourrais anticiper? Allez, un petit motisma je dirais. Un petit motisma. Pikachu, oh non, c'est nul. Oh non, c'est nul. Au moins nous sortir un Raichu, je ne sais pas, mais là non, c'est nul. Alors souplesse. Ça c'est une attaque qui fait mal. Par contre, il va nous donner une putain d'attaque électrique. Et ça, je le sens bien.
Ça, je le sens bien. Et ça, ça va me faire plaisir parce que. Voilà. Donc là, slam, c'est encore souplesse, donc c'est pour éviter qu'il me fasse des attaques de ce genre que je lui ai fait. Coup de bourre, hein, mais j'aurais très bien pu l'achever en un one shot. Hein, avec l'attaque. Et donc, Foresight. Ça doit peut-être être. Non, parce que c'est. Negates the fool's efforts to heighten the evasiveness. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, ça doit être un truc genre clairvoyance ou. Alors là, je peux pas vous dire. Donc, 1800 Poké-Dollars, c'est cool, ça fait une petite arène bien faite. Et donc, on obtient. Yeah, j'ai chopé le badge Wire. Que veut dire Wire? Donc là, je peux utiliser le Rock Smash. Ça, c'est plutôt cool. Et que veut dire. Et qu'est-ce que Wire? Alors. White, non, ça marchera pas si je mets White. Wire. Traductivine. Ah oui, les iPhones, c'est un peu de la merde. Alors. Hop, 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 tu veux dire wire. Fil de fer. Good mood, nanana, blablabla, blablabla. Électricité, ça veut dire fil électrique. Donc ça vient du fil électrique. Bon. And it will make your Pokémon a little bit faster too. Et là, c'était 34 qui doit être onde de choc. Shockwave. Qu'est-ce que je vous disais? C'est une attaque qui ne rate jamais. Voilà, donc c'est complètement pété. Voilà, c'est complètement pété. Que des attaques qui ne ratent pas pour l'instant, c'est what the fuck. Voilà, puisque j'ai plusieurs Pokémon qui peuvent la prendre, alors autant vous dire que c'est n'importe quoi. Je pense qu'il l'apprend tout seul au Zengad, donc je vais peut-être apprendre un autre Pokémon, mais pour l'instant, ne partons pas trop vite en besogne. Arrêtons-nous là pour le moment, je vais faire quelques études au niveau des attaques des Pokémon, et on se retrouve pour le prochain épisode pour aider ce monsieur à récupérer son Doogs, ou je ne sais pas quoi. Allez, à la prochaine tout le monde, et portez-vous bien. Bye bye.